بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ونود الله le clément, le miséricordieux, et que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager, le prophète محمد sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Frères et sœurs musulmans, اود اليوم ان نتحدث عن سته ايام من الصيام وبالارتباط بهذا الفعل من العباده سنذكر اولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام دهر ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال لاغري Rapporte que le messager d'Allah a dit Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de six jours du mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit immédiatement le Ramadan, cela lui sera compté comme le jeûne de toute l'année. Il est donc très fortement recommandé de jeûner après le jeûne de Ramadan, six jours durant le mois de Shawal, c'est-à-dire le mois qui suit immédiatement celui de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant déclaré que le jeûne de ramadan suivi de six jours de shawal équivaut au jeûne de toute l'année. En effet, une bonne action étant décuplée, c'est-à-dire multipliée par dix, en islam, le jeûne d'un mois qui est ici celui de ramadan est rétribué comme le jeûne de dix mois. Et le jeûne de six jours supplémentaires est rétribué pour soixante jours, soit deux mois supplémentaires et donc un total de douze mois qui correspondent effectivement à un an. Aussi méritoire que soit le jeûne des six jours au mois de Shawwal, à la suite de celui de Ramadan, bien sûr, il n'est tout de même pas donné de si à donner à tout hasard. Il obéit à certains critères qui, non satisfaits, risqueraient de rendre nul et de nul effet ce jeûne et hypothéquerait son mérite. Prenons alors garde de nous conformer à ces exigences avant toute action dans ce sens. En effet. Sans toutefois être obligatoire, il est beaucoup préférable que les jeunes des six jours de Shawwal suivent immédiatement la fête de la rupture des jeunes, c'est-à-dire dès le lendemain de la fête de Ramadan, et que ces jours soient consécutifs, comme le mentionnent les savants, pour plusieurs raisons à l'avantage du jeûneurs. Cela est le plus à même de mettre en évidence la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa qui dit « Summa puis « Fais suivre ». Cela fait partie de la hâte à accomplir les bonnes œuvres, comme nous pouvons le constater dans les textes qui nous exhortent à nous empresser d'accomplir les bonnes actions, et aussi l'éloge qui est faite à ceux qui le font. Ainsi, Allah le Très-Haut dit de ceux qui s'empressent de faire le bien sans aucunement le retarder, dit dans le Coran Fasta khayrat concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Chapitre 5, La table servie, verset 48. Et Allah dit encore, Allah dit dans ce verset, ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Chapitre 23, les croyants, verset 60 et 61. Allah poursuit en disant ceci. Il dit, les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Chapitre 56, l'événement, versets 10 à 12. Il y a en cela un signe d'agrément du jeûne de Ramadan. En ce sens qu'autant il y a des signes pour l'agrément d'un acte, il y a des caractéristiques au mensonge dans le repentir et la confession. Quant au signe d'agrément d'une bonne œuvre, il y a le fait de faire suivre immédiatement cette œuvre d'une autre bonne œuvre. Et pour le signe d'une mauvaise œuvre ou d'une prétendue bonne œuvre, il y a le fait de la faire suivre d'une mauvaise. Il y a donc lieu de faire suivre le bien du bien afin que cela soit un signe d'agrément de celui-ci. Que cela lui soit un parachèvement et une implantation de ce bien dans notre âme. Il faut également faire suivre le mal du bien, afin que cela l'expie et constitue une protection contre son danger et ses effets néfastes. Car Allah exalté soit-il, a dit Allah nous dit Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Chapitre 11, Hadith verset 114. Et le prophète sallalahu alayhi wa sallam a dit Il dit Sallallahu alayhi wa sallam "Crains Allah où que tu sois, fais suivre le mal du bien qu'il l'effacera et comporte-toi bien envers les gens." Il dit également Sallallahu alayhi wa sallam من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله اي لتكن كفاره لحلفه بغير الله. Il dit quiconque jure par, par Allah et Al-Uzza qu'il dise la ilaha illallah pour que cela soit une expiation de son serment par autre qu'Allah. Ça veut dire lorsqu'on jure par autre chose qui n'est pas Allah, alors il faut dire la ilaha illallah qu'il l'expie immédiatement. Comme pour dire une bonne parole renvoie une mauvaise. Cela témoigne Jeûner rapidement témoigne aussi de la fermeté qui est l'une des caractéristiques de la personnalité, de la plénitude et de la perfection du serviteur fidèle, car il est bien conscient que les occasions de bien sont appelées à passer et que l'on ne sait jamais ce qui pourrait être de son état par la suite ou de la suite de ses affaires. Le serviteur ne laisse jamais traîner les bonnes œuvres et ne laisse jamais passer les opportunités et autres occasions de faire le bien. Il ne retarde point les bonnes actions. En revanche, si toutefois il est très méritoire de s'empresser de jeûner les six jours de Shawwal, comme dit précédemment, il faut tout de même se conformer à certains principes déterminants pour l'acceptation de nos œuvres. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Il a bel et bien dit quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de six jours du mois de Shawwal, cela lui sera compté comme le jeûne de toute l'année. Ces six jours n'ont pas de jour fixe déterminé, mais plutôt le fidèle à la latitude de les jeûner à tout moment du mois de Shawal. S'il le veut, il le jeûne au tout début de ce mois. S'il le veut, il le fait en milieu du mois. Et si cela lui est loisible, il le fera vers la fin du mois. Il est aussi libre de les jeûner consécutivement, comme séparément, et au rythme qui lui convient le mieux. La chose est ouverte. Comme on le dit, la chose est open, mais dans le délai du mois. Et le plus important est que si les six jours sont entièrement terminés dans le mois de Shawal, comme je le dis, le plus important est que les six jours soient terminés et effectivement jeûnés dans ce mois-là et non autrement. Et l'exhortation à vite jeûner ces jours dès le début du mois de Shawal, et à les enchaîner est l'idéal selon le principe de se hâter dans les bonnes actions. À part cela, il n'y a aucune contrainte à le faire. Il faut aussi retenir que l'on peut les jeûner des années et les laisser d'autres années sans grief, car ce n'est qu'un jeûne surrogatoire et non obligatoire. Partant de là, l'assertion, l'affirmation qui tend à effrayer certaines personnes à l'égard de ce jeûne et qui dit que lorsqu'on le commence, qu'on qu en est tenu pour la vie est infondée. Cette assertion, cette affirmation n'est pas vraie. On peut, oui ou non, le jeûner, mais le jeûner est mieux pour nous si nous savions. Étant donné que c'est un jeûne surérogatoire qui vient nous apporter des bonus à notre jeûne obligatoire de Ramadan, on ne peut nullement lui donner la préséance sur le jeûne obligatoire. Lui n'étant pas obligatoire, on a d'abord l'obligation de restituer les jours manqués du Ramadan avant de le faire et espérer en tirer profit. Car aussi, le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit Il a bel et bien dit, au risque de nous répéter quiconque jeûne le mois du Ramadan, puis le fait suivre de six jours du mois de Shawal, cela lui sera compté comme le jeûne de toute l'année. Et le hadith est bien clair qui dit Jeûner le Ramadan et le faire suivre par les six jours. On ne pourrait donc permettre aucune ambiguïté artificielle à ce sujet. Le ramadan est un mois entier et pas moins. Il faut le finir entièrement pour pouvoir le faire suivre d'un certain jeûne. On ne pourrait jamais donner la préséance au surérogatoire sur l'obligatoire, dont il nous sera d'ailleurs demandé au compte, tandis que l'inverse ne le sera pas. Rien ne saurait ni ne pourrait valablement justifier quand jeûne le mois de Shawwal, les six jours avant d'avoir remboursé l'obligation de Ramadan, car le Ramadan le Prophète éclaire sur la wa sallam, il faut le terminer d'abord et faire suivre ça des jeûnes, du jeûne des six jours et non intercalé. Si tel est qu'on a la force, l'énergie, les potentialités pour jeûner, ce qui est bonus, ce qui est, je dirais, un gain supplémentaire, pourquoi alors ne pas mettre ça à profit pour compléter le jeûne obligatoire, qui, étant dans les dispositions de rembourser, si nous ne remboursons pas, nous en serons demandés, le compte nous en sera demandé le jour du jugement dernier, tandis qu'aucun compte ne nous sera demandé pourquoi nous n'avons pas gêné le mois de Shawal. Shawal est fait pour nous aider à avancer, à gagner plus avec le ramadan, et non le contraire. Alors, il faudrait que nous soyons assez réalistes et objectifs. Dans l'adoration. Amba mou, ambe Kumana, teleworo le woro soune sungalo kofe. Aywa, ala krasola wa hiwa sal lam, akakumakano, akai koni mwomwoka sungalo dongaba. Kadongaba ningat la ka te le woro tugu, sungarula, la, oye seldeni kaloi, o kononana, kobe sebe yokomika sandu, nando ka diatemuna, aywa, ala krasola la sere fɔ fui iy'a kɛ ka hɛɛrɛ le sɔrɔ ɔrnina a ɲinina k'fɔ an ye sun ni nafa na baraji sɔrɔ ka sun ni do sugalo baniɔ nka kuma kundaalasuuɲaboloma sankelen baraji bɛ sɔrɔ cogo di ɲuma kelen be srani ka sugalo mumɛ do obe syoklen be sryekmilewɔrɔsuni obe srye teleb wɔɔrɔ o tere bi wɔrɔw be kɛ kalo fila jateya le kalo fla tni k la sungalo sarani kalo a be kɛbo be barajiw be di ma otɛ foyi bɔ sungalo yɛrɛ kerenkrnni t barajina su o bɔnin ko a la ayiwa min ye sun ni do ye a ɲinina fa an ye teriya ka do nga kana bila ka suma k'a la paske koɲuman dɔ tugu koɲuman dɔ la o b'a yira ko koɲuman fɔlɔ minkɛla ko a mananale

ni a ka di ye i b'a don kalo damina na n'a kìa di ye i b'a, chema, ba kapsa, i a don a cɛ ma n'a kìa di ye i b'a don a laban mais min ka fisa i y'a don a damina na k'a tugu ɲɔgɔn na n'i ma so k'o kɛ baasi t'a la i b'a don don cogo la min ka nɔgɔy'ile yɛrɛ farisogo ma min ka nɔgɔ i yɛrɛ ma mais te a tere wɔɔrɔ y'i don seli deni kalo le kɔnɔ nka ka sunjuro tu i la a tɛ daga i b'a don f'i ye ala ka hakɛ le bu i kan ka juru nin sara kuma kun daala sunjata bolo ma min tun bɛ nafula sundo la tiliwɔrɔsun o de b'o ye tiliwɔrɔsun nin sun tɛ bilasira la dɛ sun fana tɛ dafa la o ye kɛrɛnkɛrɛnneni bolo de ye k'a tugu sunu na le i b'a tugu la a kɔ walasa i ye nafa gɛlɛ le sɔrɔ o yɔrɔnin kɔnɔ an b'a deli ala fɛ an bɛ sun min dɔn o la ala ka mɛn a ye an ka adirimo min kɛ ala k'o yafa ala y'an balo silamɛya kan ala y'an fa tunu nimaniya ye ala kalo tímɛ dama o tuma na fɛ a tímɛ yɛr

نتي أبالماتي إمام أميدو بيرتي كابو أتقوم بانكونو نور لا أليستي كاما أم بي إن شاء الله تعالى أكثروا بخصوص سلام الله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته